assez parlé des débats politiciens. Parlons maintenant des questions qui intéressent la population. Parlons maintenant des questions qui intéressent les petits quotidiens, les étudiants. Comment ils vivent? Est-ce qu'il faut réhabiliter les campus sans doter les professeurs de moyens conséquents pour qu'ils ne vendent plus les services? Est-ce qu'il faut réhabiliter les corps scientifiques composés des assistants, des chefs de travaux et du corps administratif? Chaque jour, ce sont des grèves de la poutine. Maintenant, là, nous sommes en pleine grève des médecins. Mais pourquoi cette question des médecins ne peut pas occuper les débats politiques? Pourquoi? Donc on estime que les médecins peuvent entrer en grève, ce n'est pas un problème des hommes politiques. Alors que la politique est la plus haute forme de destin qu'un homme puisse avoir au service de sa communauté. Nous ne pouvons pas continuer à passer notre temps à nous chamailler, à nous injurier, pendant qu'il y a un peuple qui croupit dans la misère, sans perspective d'avenir. Nous ne faisons que passer aux élections chaque 5 ans, mais en réalité, nous sommes en train de faire des élections sans faire la démocratie. Et c'est le drame congolais. Voilà pourquoi, dans les tout prochains jours, je vais instruire les professeurs de la vie, les recteurs de l'école du parti, pour que les sessions de formation commencent à l'UNC.